bienvenue les amis, comme vous pouvez le constater sur ce thème de pleine lune, sur le thème de la pleine lune du 25 janvier, la planète Vénus est déjà en Capricorne. Elle y sera du 23 janvier au 16 février et il faut un peu replacer du contexte. Vénus, avant d'arriver donc dans ce signe du Capricorne, elle était en Sagittaire. Et là, on a une grosse phase marquée par le Capricorne, d'autant plus qu'on le voit, le Soleil et Pluton viennent de rentrer en Verseau. On a donc le signe de l'avenir du Verseau, sachant qu'on a quand même ce signe du passé, le Capricorne, qui est aussi très occupé. Ce signe de la tradition, ce signe du sérieux, du travail où l'on doit persévérer, où l'on doit s'accrocher. Alors c'est vrai qu'avec cette énergie vénusienne qui vient de quitter le Sagittaire, l'heure n'est plus trop au jeu et à l'exploration et à la conquête et à la découverte. Avec Vénus en Sagittaire, nos goûts, on va dire nos passions, nos affects, ce qu'on aime, nos plaisirs, on les a tournés vraiment vers l'extérieur. C'est Vénus en Sagittaire, elle a envie de voyager, elle a envie de conquérir, elle a envie vraiment de se tourner vers le monde extérieur. Elle a envie de jouer. Vénus en Sagittaire, elle a envie de multiplier. Vous voyez, le Sagittaire, c'est un signe d'excès. C'est un signe extraverti, c'est un signe très démonstratif. On sait comment ils sont, les Sagittaires. Ils sont toujours dans le jeu, toujours dans l'amplification, toujours dans la démonstrativité. Et ben, on connaît aussi la réputation du Capricorne, qui est un signe beaucoup plus froid, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus travailleur, on va dire, sur le papier. Donc ici, Vénus, elle va nous demander des efforts. Donc sur le plan amoureux, on est dans une phase où on a beaucoup plus envie de sérieux, de faire des efforts, de prendre finalement l'amour un peu comme un travail. Alors pour certains, ce sera un entretien d'embauche, si c'est des nouvelles rencontres ou des... c'est vraiment là quelque chose d'assez important. On a envie de donner du temps sur la sphère affective. On a envie de construire. On a beaucoup moins envie d'aller loin déjà. On a envie des choses beaucoup plus constructives, beaucoup plus sérieuses. Donc c'est un moment où évidemment il peut y avoir, quand même à l'arrivée de Vénus en Capricorne, il peut y avoir comme un peu une douche froide sur le plan affectif. Il peut y avoir comme un bilan qui se fait. Le signe du Capricorne, c'est un signe réputé introverti. Donc ici, il peut se faire un bilan, une introspection amoureuse importante. Vous avez peut-être envie de faire le point, de réduire certaines choses. Dans d'autres cas, il se peut que ça soit des mauvaises pensées, des mauvais événements qui vous traversent votre vie, surtout sur le plan donc matériel, affectif. Évidemment, ce transit de Vénus en Capricorne sur le plan financier, il rend beaucoup plus soucieux. Il rend beaucoup plus méticuleux, précautionneux. Et dans certains cas, il peut rendre beaucoup plus radin. Il peut amener des événements qui font que on se préoccupe davantage pour la sphère matérielle. Donc dans nos rapports aux autres aussi, on a envie, comme je l'ai dit plus tôt, de beaucoup plus de sérieux. Alors pour le travail, il se peut, dans bien des cas, qu'il y ait d'excellents résultats. Donc on verra, il y a les signes qui vont être gâtés, et il y a les signes, en gros, qui vont être contrariés. Mais si vous êtes gâté par ce transit, c'est vrai qu'au niveau du travail, vous allez avoir de très bons résultats matériels, financiers. À un moment où c'est très plaisant, où il y a de la popularité, il y a de la réussite sociale, où tout va bien au niveau du boulot. A contrario, ça peut être une période où il y a des rapports sociaux, des rapports amicaux, très difficiles dans votre boulot. Il se peut que ça soit une période qui amène un peu d'envie de paresse, vous voyez, de se laisser aller. Donc si c'est mal vécu, évidemment il peut y avoir un vrai découragement dans la sphère professionnelle par exemple, si vous vivez mal ce transit. Il peut y avoir des choses à améliorer dans votre état, d'être moins feignant, d'être moins paresseux, d'être moins, on va dire, dilettante. Alors la bonne nouvelle, c'est que Vénus, il va être très bien aspecté durant ce passage, comme on va venir le voir. Alors qu'en Sagittaire, il a été très mal aspecté. On a eu tendance aux dispersions amoureuses, aux excès. Alors à part les Sagittaires, finalement, et d'autres signes qui ont été bien gâtés par ce transit, un peu comme une accalmie, qui ont pu se faire plaisir, qui ont pu se ressourcer, prendre du bon temps, c'était quand même une période qui n'était pas propice, on va dire, à la construction et aux choses forcément durables ou stables. Ici, c'est tout un autre tableau, hein, donc il y a des très bons aspects, et évidemment, les gâtés, ce sont vraiment, on va dans la continuité hein, de cette pleine lune, de ces cycles Capricorne, de Mars, Mercure en Capricorne. Donc c'est vrai que ce transit de Vénus, hein, donc Vénus arrive, il y a d'autres planètes en Capricorne, et qui amène un très bon passage hein, pour les taureaux, les scorpions, les vierges, les poissons, les capricornes, idéal pour construire, pour vraiment stabiliser les choses, persévérer dans le travail, dans une relation, améliorer pas à pas votre vie financière, planifier des choses sur le long terme. Les choses sont idéales pour faire tout ça. Donc évidemment, moment très prisé, très bon pour les Capricornes, qui bénéficient de l'énergie vénusienne. Donc idéal moment pour les Capricornes, pour la vie amoureuse, affective, mais pour la vie en général des Capricornes. Très bon moment pour séduire une Capricorne ou un Capricorne. Et transit qui aide les taureaux, les scorpions, les vierges et les poissons également. Donc vraiment, là, ces signes, on le vent en poupe. Au niveau santé également, pour adoucir plein de petits problèmes, pour aller mieux. C'est vrai que sur le plan physiologique, c'est un transit qui peut amener beaucoup d'angines, hein, beaucoup de problèmes au niveau du cou, de la gorge. Alors ça sera peut-être des problèmes au niveau des cervicales. Hein, on sait que Vénus gouverne le cou, la bouche, la langue, les dents. Donc peut-être qu'il faudra vous faire soigner des dents. Donc là, idéalement, vous ferez là, l'ostéopathe, le dentiste sera sur votre liste sur cette période. Donc si vous avez un bon transit, idéal là de vous faire soigner. Si c'est un mauvais transit, peut-être qu'il vous coûtera un peu, qu'il aura des résultats esthétiques pas escomptés, qui vous gênera un peu sur le moment. Mais peut-être que vous devrez passer chez le dentiste, par exemple, pour vos dents, chez l'ostéo pour votre cou, vos cervicales. Peut-être que ça sera tout simplement le médecin parce que vous avez une angine ou la toux. Ah, il y en a beaucoup sur cette période. On sait également que Vénus gouverne tout ce qui est la sphère des reins en général. Donc dans les pires des cas, c'est vrai que le Capricorne peut amener des blocages, des choses qui se bouchent. Ah, donc dans les pires des cas, ça peut être des calculs, ou tout simplement des obstructions, des mauvaises circulations veineuses aussi. Ce sont des choses qui peuvent survenir sur cette période. Donc prenez soin de vous, ménagez-vous. Évidemment, un bon transit de Vénus est idéal pour prendre des herbes, des plantes. Alors bien évidemment, tout ça, un astrologue n'a jamais des mots qui iront au-dessus et au-delà d'un scientifique ou d'un médecin. Je le rappelle, hein, je tiens toujours à le rappeler, allez consulter votre médecin si vous êtes malade. Ne faites pas que de la médecine douce. Des fois, il y a vraiment besoin d'un médicament ou d'une certaine chimie, hein. Hein, malheureusement. Donc là, vraiment, allez voir des spécialistes qui, eux, vous diront quoi faire. Mais ça peut être un très bon moment en complément à tout ça, à vous prendre une bonne tisane, hein, une bonne potion comme on dit, et de vous faire de vous guérir un peu à tout ce qui est médecine douce, médecine herbale, idéal avec un bon Vénus, d'ajouter aussi dans votre alimentation beaucoup plus de verts, hein, de végétaux, de légumes, ça c'est super, voilà. Et si à contrario vous avez un transit un peu dissonant, bah, il faudra effectivement améliorer toute cette chose, peut-être être un peu moins radin sur le plan financier, d'être un peu plus travailleur, de soigner des relations affectives. Hein, donc là, c'est vrai qu'on continue un peu pour les contrariés, c'est les balances, les cancers, les béliers. Ah, c'est une phase un peu difficile. Toujours hein, sur le plan affectif, là. Elle vous demande un peu de vous ouvrir, de faire le point, de faire le bilan. Hein, donc, c'est vrai qu'un mauvais transit de Vénus nous rend feignants, paresseux, trop tournés vers les plaisirs, la malbouffe, ah, la malbouffe. On a tendance à manger n'importe quoi avec un mauvais Vénus. Donc ici, on revient aux conseils qui ont été dits précédemment. C'est important de savoir finalement quel défaut on risque d'avoir, quelle mauvaise manie on est susceptible de développer sous un mauvais Vénus en Capricorne. Et c'est généralement le genre de transit où on se ferme, on est trop méfiant, on est trop peureux en amour, hein, on se décourage, hein, on peut avoir un moment d'arrêt sur les efforts qu'on a fait précédemment si on vit mal le transit. Évidemment, c'est un transit qui amène à beaucoup de peur, de déception, de choses négatives. Hein, le Capricorne étant négatif, étant un peu un signe réputé, on va dire négatif, un signe un peu réputé, sombre, fermé, froid. Mais ce qui est bien, c'est que durant cette période où on voit il y a d'excellents transits, Vénus va bien s'associer à Saturne, à Jupiter, sur le 28. Donc très bon aspect pour les premiers décans ici, de tous les signes gâtés ou épargnés. Ensuite, Vénus va très bien s'associer à Uranus et Neptune. Et ça, on sera sur les 7 et 13 février. Alors c'est vrai que la bonne association à Jupiter et Saturne, là autour de la pleine lune, un peu juste après la pleine lune, elle permet de créer des contacts autour de ces journées durables et des relations sérieuses, donc des rencontres importantes. Donc ça peut être des périodes très bonnes, à quelques jours avant, quelques jours après, pour rencontrer, pour structurer une relation affective, particulièrement si vous faites partie des signes gâtés, épargnés. Et si évidemment vous faites partie des contrariés ou titillés, c'est des choses à travailler sur cette période. Donc c'est des choses à évidemment comprendre sur le plan affectif. Il faut peut-être développer beaucoup plus d'équilibre, d'équilibre affectif, de démonstrativité affective, de sérieux affectif. Si vous faites partie des balances, des cancers, des béliers, alors on sait que certaines balances, elles aiment vraiment la dolce vita, se faire plaisir, rencontrer. Ah, il peut y avoir un côté déséquilibré. Ici, on nous demande de stabiliser les choses au niveau affectif. Les cancers peuvent être très sensibles et on peut rester très enfantin, très joueur aussi. Et les béliers peuvent être très égoïstes. Donc là, sur le plan affectif, sur le plan des sentiments, pardon, il y a quelque chose qui va devoir être travaillé et on ne doit pas être trop dans l'ego ici. Sinon, on va souffrir et on va vivre des mauvaises expériences. Et souvent, on accusera les autres. On se dira, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu des mauvaises choses. Wow, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Non, on vit des mauvaises dissonances des planètes qui nous demandent de travailler des choses sur nous-mêmes, en nous-mêmes. Sinon, on sera toujours malheureux. On ne réalisera pas qu'il y a des défauts inhérents à notre personne. Donc aussi, c'est là où si on a un mauvais transit de Vénus, attention, parce qu'on risque d'être ou de vivre des choses très lourdes en amour. Avec Vénus en Capricorne, c'est plombant, c'est pesant, quoi. Donc on peut vivre là vraiment des blocages, des freins, des contraintes, des galères. Et le but, c'est de ne pas craquer sur le plan affectif ici. Donc Vénus va être dans le premier décan du 23 au 31 janvier. Du 31 janvier au 8 février, elle sera dans le deuxième décan. Donc elle aidera tous les signes gâtés, épargnés. Elle aura tendance à contrarier ou à titiller les signes un peu en panique. Et du 8 au 16 février, elle est dans le dernier décan. Donc c'est bien parce que sur cette période-là, on voit sur les 7 et 13 février, alors le 7 février, elle est toujours dans la fin du deuxième décan, elle fait un très beau trigone à Uranus, donc là, c'est la collaboration à plusieurs, les réseaux, c'est Vénus s'associe à la planète de l'imprévu, de l'inattendu, de l'inconventionnel, Uranus, pour créer des belles choses au niveau amoureux, des beaux éclats. Donc c'est sympa, on arrive près de la Saint-Valentin, c'est le moment d'être créatif sur cette période, et le 13 février, le beau sextile à Neptune, permet justement de créer des situations un peu rêve bleu, amour inconditionnel, sympa pour rêver, pour planer sur cette période au niveau affectif, et pour avoir de nouveaux espoirs. Donc on voit période très bénéfique le 7 février pour les deuxièmes, et le 13 pour les troisièmes, et donc dernier décan. Je rappelle qu'un décan, c'est une section de 10 degrés, et qu'il y a 3 décans par signe, 3 fois 10 degrés, chaque signe fait 30 degrés. Voilà, alors évidemment, il faudra voir aussi, comme toujours, la maison dans laquelle transite, votre maison dans laquelle transite Vénus. Vous voyez, dans le thème astral, vous allez regarder, vous avez 12 maisons là qu'on voit en gris et en blanc, avec les chiffres romains. Et bien vous allez regarder en Capricorne, vous voyez, si vous seriez né par exemple pile sur la pleine lune du 25 janvier, ben Vénus traverserait, on va dire, théoriquement, on va dire, vos maisons 5 puis 6. Vous voyez, les deux premiers décans, la majeure partie du signe du Capricorne sont en maison 5 et une partie en 6. Donc ça, il va falloir regarder sur votre thème astral, natal. C'est vraiment là du cas par cas. On ne peut pas le savoir. Alors, ça, ce sont les maisons astrologiques. C'est ce qu'on appelle les maisons en astrologie. C'est très important parce qu'elles parlent du domaine de vie. La maison 1, par exemple, la personnalité, ce qu'on est, ce que les autres voient de nous. La maison 2, les finances, les acquis, etc. etc. Donc, vous avez le panneau ici qui vous décrit les 10 maisons. Et c'est vrai qu'après, on parle des maisons solaires. Souvent, des astrologues utilisent le principe des maisons solaires. Vous êtes Capricorne, Vénus transite votre maison solaire 1, Sagittaire, maison solaire 2, Scorpion, maison solaire 3, ainsi de suite, Balance 4, Vierge 5, etc. jusqu'au Verseau, où Vénus la transite sa maison 12. Donc Vénus permet, on le voit ici, hein, d'adoucir, mais en même temps de structurer, de sérieusement pérenniser une situation. Au contraire, elle créera des frustrations affectives dans un domaine ici. Hein, donc Vénus a tendance à aider dans les finances, à nous permettre de construire financièrement, de construire pas à pas. Ici, une situation affective, toute situation, et de nous donner de la persévérance. Mal vécue, hein, comme on l'a vu, hein, elle donne de la paresse, elle nous fait nous décourager, elle crée vraiment des difficultés, elle crée des manques. Hein, elle crée des manques. Donc c'est vrai qu'on réalise aussi nos manques affectifs ici et nos carences. Donc c'est très bien de pouvoir les combler dans les mois qui viennent. On va d'ailleurs arriver, et on le voit déjà avec le soleil dans ce signe, dans une phase Verseau, hein, qui est une phase de nouveauté. Hein, donc qui va permettre justement d'amener les éléments qui nous manquent aujourd'hui. Hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc un peu de patience. Évidemment, le signe du Capricorne, il nous demande toujours de la patience et du pas à pas, et de la construction lente et on va dire par étapes. Donc si vous êtes Capricorne, Vénus va transiter votre maison solaire 1. Elle va travailler justement votre apparence, ce que les autres voient de vous, votre corps, ce que vous êtes. Donc elle amène généralement une belle période ici pour profiter, se faire plaisir, se relooker, séduire. C'est généralement, vous avez le vent en poupe, c'est une très belle période. Les Sagittaires, Vénus va agir sur votre vie financière, ici la maison 2. Les Scorpions, ce seront la maison 3, généralement les va-et-vient, la communication, les frères et les sœurs, les amis, les petits déplacements. Les Balances, ce seront votre maison 4, votre chez-vous, le foyer, la vie familiale, la vie intime. Pour les Vierges, la maison 5. Vénus va agir dans toute la sphère des enfants, des créations, de l'expression de soi, de la romance. Pour les Lions, Vénus va transiter votre maison 6, va parler de santé, de service aux autres, d'organisation au jour le jour, et du travail. Hein, du travail, souvent des corvées. Pour les Cancers, Vénus va transiter votre maison 7. Elle aide, ou des fois elle dessert, dans tout ce qui est relation, mariage, partenaire, votre conjoint ou la conjointe. Donc ici, effectivement, et bien vécu, c'est une amélioration, mal vécue, hein, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits avec le partenaire. Les Gémeaux, Vénus va agir, hein, donc amener de la douceur, du plaisir, ou au contraire des frustrations dans toute la zone du sexe, de l'argent des autres, des finances. Et généralement, la maison 8, c'est la maison qui nous permet, c'est un peu la maison du tunnel, la maison qui parle des transformations, qui parle de grands changements de l'existence. Pour les Taureaux, Vénus va aider dans tout ce qui est la maison 9, la maison des voyages, des cultures étrangères, des déplacements, des grands déplacements. Vénus va également aider pour tout ce qui est loi, démarche administrative. Et une femme aussi peut aider. Hein. À chaque fois, c'est une femme aussi qui peut vous aider dans ce domaine-là. Ou des femmes. Et si c'est mal vécu, c'est des femmes qui peuvent vous desservir dans ce domaine-là. Donc, par exemple, les Béliers, c'est la carrière, c'est le travail, c'est la réputation, c'est l'image publique. Et c'est évidemment tout ce qui est la renommée, c'est tout ce qui est la vie sociale, la vie socio-professionnelle. Donc ici, des femmes hein, peuvent amener des contrariétés. C'est des groupes d'amis, la maison 11, les projets à plusieurs, les réseaux. Vénus va agir et va vous permettre d'agir dans cette maison-là et dans ce domaine de vie-là, dans ces domaines de vie-là, si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson. Quant au Verseau ou ascendant Verseau, Vénus transite la maison 12 dans la plupart des cas et elle parle de fin, cette maison d'hospitalisation, de soins, de besoin de vous soigner, de besoin de vous guérir, de terminer. Donc Vénus, généralement, a tendance à aider hein, dans cette maison 12, à amener quand même une protection dans cette maison qui parle de fin, de terminaison. Mais ici, elle peut marquer une fin amoureuse hein, dans le pire des cas. Donc encore une fois, il faudra interpréter au cas par cas les Verseaux qui n'ont pas une année très top hein, entre 2023 et 2024. Mais les choses vont avoir tendance à s'améliorer bientôt et à prendre des nouveaux départs pour vous. Et là, évidemment, c'est une période qui peut amener quelques contractions, quelques fins, Et Vénus quand même protège malgré tout du pire, quoi que vous en pensiez. J'espère que cette vidéo vous aura permis justement de mieux comprendre ce passage de Vénus en Capricorne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à prendre patience sur ce transit avant Vénus en Verseau qui évidemment amènera beaucoup plus peut-être de choses nouvelles, beaucoup plus d'extraversion, beaucoup plus de choses excitantes. C'est clair que Vénus en Capricorne a tendance à retarder, à un peu frustrer, mais il permet toutefois de construire et d'avoir des choses sérieuses qui se présentent et durables. Comme on dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et ce Vénus en Capricorne, c'est un peu ce cas-là. C'est vraiment des choses très sérieuses qui peuvent venir sur le plan affectif. C'est un moment où on ne doit pas trop douter de nos goûts, on ne doit pas un peu trop être frustré. C'est vraiment le moment où ça nous demande de faire un effort sur le plan de l'affect, sur le plan de ce qu'on aime. Et évidemment de restreindre un peu certains plaisirs, certains jeux qu'on a pu vivre et qu'on a pu développer avec Vénus en Sagittaire. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne chance pour cette période, à bientôt vite, ciao.